Après l'Iran, l'objectif a été de traverser les 500 km du Turkménistan en 5 jours. Le Turkménistan est l'une des dictatures les plus sévères au monde. Et malheureusement, filmer y est très fortement déconseillé quand ce n'est pas tout simplement interdit. J'ai donc très peu de rush et je suis pas en mesure d'en faire un épisode. En revanche, j'ai écrit un petit billet que vous trouverez sur mon site. J'aborde le passage frontière, une histoire de balles de Kalachnikov retrouvées dans nos affaires par des militaires, le culte de la personnalité du dictateur en fonction, mais aussi l'amour et l'accueil des locaux. Je mets le lien dans la description pour les plus curieux. C'est là-bas. Non, mais ils vont manger avec nous peut-être. Maintenant, place à l'Ouzbékistan, dernier pays de l'Asie centrale, et bastion de l'ancienne route de la soie. Salam. What's your name? My name is Malika. My name is Malika. My name is Mirosha. My name is Amrkha. My name is Miraj. My name is Magna. My name is Ikhragis. My name is Furdan. My name is Furdaus. My name is Ufri. My name is Shafsakhan. My name is Yusuf. My name is William. Hey! Good night! On est pas mal en Ouzbékistan. On est trop bien. Si en France on se soucie de comment les enfants rentrent de l'école, en Ouzbékistan, c'est tout autrement. Et la ville est magnifique. Ouzbékistan et Sevama. J'aime l'Ouzbékistan. Cheers. Cheers. That's here. Not too far. Just to stay in this. Okay. Area. Then we can sleep here. Yes. Near the lake. Assalamu alaikum. Depuis le temps qu'on nous l'avait promis. Je pensais que c'était des mythos, moi. Ça va, mon vieux? Salut Patrick! L'Ouzbékistan a la particularité d'être recouvert d'un immense désert, seulement 10% de l'étendue du pays est utilisé par l'homme en fait. Et on va essayer de se faire une nuit quand même à la belle étoile. Peut-être pas la belle étoile parce qu'il fait vraiment froid. À toujours vouloir regarder devant, on oublie parfois de se retourner. Au mini market. J'espère qu'il n'y a pas un gamin qui va traverser. Je veux dire la même chose. Un guide qui va être beau le lac. Ouais, il a intérêt. Là la route. Après deux petits jours de désert, on devrait arriver à un lac. On a décidé de passer la nuit. Oh le chien. Ouais, je crois qu'il est attaché. Et c'est un chien de berger en général. C'est pas trop content. Pas mal, ouais. Wow. Mais c'est une merde le truc. 250 km de large et 10 de long, je crois. Je m'attendais pas à ça. Wouh! On va être au vent, quoi. Ouais. Je vais se mettre derrière ce machin là. Là. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on soit embêté par les touristes.
Bah c'est chiant quoi, nous on aime pas trop les touristes, on voyage un peu underground, la plaie quoi. Ce soir, c'est risotto. Risotto, carottes, oignons, parce qu'on a que ça. Alors bon, on fait avec. Mais c'est risotto, carottes, oignons et lac. Guibourg, va voir là-haut si j'y suis. Ça t'épate, hein? Ouais. Je crois que je pue. Ouais. J'avoue, c'est génial. On a le risotto qui nous attend là-bas, mais je sens qu'on va manger là. Bon, on a le voisin qui est venu nous voir. Et il nous a proposé de dormir chez lui, on a déjà mis nos tentes alors. Puis on a envie de se faire le lever de soleil demain, tranquille. Mais il nous a quand même invité à boire une petite vodka. Et ça, ça se refuse pas chez les Ouzbeks. Ça c'est Radik. Radik, hello Radik. Hello Radik. What is this? Hein? What is this? Cornichon. Un cornichon, ok. J'ai peur que ce soit notre alcool. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Vodka, bière, cornichon. 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 Vodka cornichon. Vodka cornichon. Chez Radik, c'est vodka cornichon direct. Давай. На здоровье. На здоровье. На здоровье. Santé. 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 Русский vodka. Non problème, non problème. Cornichon, vodka. Hop là. Bon allez. Mais il manque pas dans le cornichon en fait, il le suce. Je ne. Pof. Ouais. Vodka. Ouah. Enfin, ouais. Ouais. Ah vache. Bien dans le bol. Ça c'est bon ça. Davaï. Davaï, davaï. Vas-y, va. Marié dans l'année, Guibourg. Na zdrovia. Uzbekski, na zdrovia. I sal. Saulo kuchun. Saulo kuchun? Savle kuchun. Savle kuchun. Savle kuchun. Savle kuchun. Après la nuit dernière, hein, où j'ai vomi dans ma tente, j'ai eu des perfusions par le médecin et tout, je voulais reprendre la route aujourd'hui et j'aurais peut-être pas dû. J'ai trouvé un camion, je sais pas où il va, mais en tout cas il va me faire avancer un peu. Je suis trop au milieu du désert et j'ai peur de tomber vraiment malade. Je suis déjà pas bien, donc je suis bien content. Thank you. Un manteau ouzbek, c'est très ouzbek, on va voir partout dans les rues, c'est pas des conneries. Et ça c'est Dopka. Dopka, pareil, ils ont tous ça sur la tête, alors je sais pas bien à quoi ça sert, c'est plus c'est de la mode que du pour se réchauffer, mais là les ouzbeks ils sont au top. Et ça c'est Paris Soda. Juste avant de me transformer en ouzbek, parce que j'ai mis toutes mes affaires à laver, j'ai eu le droit à un hammam ouzbek, chauffé au feu de bois. Et de l'autre côté, ça chauffe les bains, comme ils l'appellent. Et moi j'étais assis là. On est bien chez les Ouzbeks. Ce matin j'ai été invité à faire une conférence dans une école. Je suis complètement malade. J'ai pas trop envie mais ça va être marrant. Qu'est-ce que ça va donner? Love parades. Yeah.
perfect. Yeah, you think so? Yeah. You want to do it now? Yeah. Yeah, so I'm happy. I'm happy to hear that. Do you speak Uzbek? Salam, assalamu alaikum, rahmat. Yaxshi. Yaxshi, yomon. Yaxshi. Good, good, good. C'est un peu l'étape ultime, fin de la route de la soie pour la partie de l'Asie centrale en tout cas. Et ouais, je suis hyper fier, c'est trop cool. Maintenant, tout ce que je vais faire, ça va être que du plus. Donc j'ai décidé de partir en Inde. Je vais passer un mois quasiment sans pédaler parce que Manon me rejoint et j'en suis content. J'ai envie de faire une grosse pause, je sens que j'ai un état de fatigue cumulé. Bravo Martin. J'aime toujours être seul pour fêter des événements un peu cool parce que c'est les moments dont je me souviendrai, je pense. Donc c'est important que je les partage seul parce qu'ils sont à moi ces moments. Et si je fais tout ça, c'est pour savoir. C'est pour vivre tout ça, c'est pour vivre ces émotions et ça me rend fou d'avoir réussi ce pari. Maintenant j'irai peut-être jusqu'à Singapour, je sais pas comment ça va se dérouler par la suite, je sais pas comment mon mental va évoluer. Parce que j'ai plus cette hargne de pédaler, j'ai plus cette excitation quotidienne. Ça va faire 6 mois jour pour jour dans quelques jours là. Avec le recul, c'est absolument génial ce que je vis, mais le quotidien est moins fun qu'au départ. Et c'est là aussi que j'apprends, c'est que ce qui est fun n'est pas toujours. Donc il faut savoir aussi se contenter de ce qu'on aime. Et j'aime le vélo et j'aime voyager, donc je crois que je vais essayer de me contenter de ça et de continuer à vivre des expériences, parce que c'est ça qui m'enrichit le plus. Et bien plus qu'un boulot. Bien plus qu'un salaire, je m'enrichis tellement de choses, je suis tellement heureux ici. Allez, vamos.